Yo l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Mais nous va pas perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Déjà est en journée spéciale parce que c'est en zoom échange au fait. Donc, travail aujourd'hui, il y a un rapport direct avec diaspora, c'est-à-dire communauté nous qui vivent Canada, États-Unis, en Europe, Chili, Brésil. Donc, rencontre est tournée autour de 3-4 points importants que nous touchons déjà parce que le représentant diaspora est venu visiter nous. Et puis c'est toujours ministre haïtien vivant à l'étranger qui coordonne tout le bagaille. Donc je dis en rencontre était très fructueuse pendant 2h30. Et bien, débat a été porté sous question nationalité, citoyenneté, que diaspora a senti que y a victime un peu. Parce que nous, on a fait double nationalité, la constitution, il y a un article là-dedans qui, en tigeant, restreint droit tout le monde qui est dans la diaspora. Et même il parlait d'exclusion. Alors à côté de affaires citoyenneté, nationalité, diaspora a mis accent sur intégration. Alors il dit que c'est vrai à vivre à l'étranger, mais quand l'ombre est toujours marié pas bon ici, famille pas bon ici. Donc il a remis pour nous intégrer dans nouvelle approche constitutionnelle. Ça veut dire que pour yo pas dehors. Parce que vous senti que la constitution vraiment, alors la constitution 87 que nous toujours gagnons, il y a une pile de restrictions concernées. Donc vous avez même petit, il faut qu'on ait une intégration qui pour faire pour vous sentir au moins vous un pays d'origine. Ensuite, vous avez mis l'accent sur l'affaire sécurité. Alors, ouais, nous en fin d'année, inquiétude diaspora, c'est est-ce qu'une cavine ou une famille. Parce que l'insécurité sur toute la ligne. Donc, il dit que pour vous sentir que vous avez accès à pays, il faut un minimum de sécurité. Alors, il dit que dans la rédaction nouvelle, constitution ou du moins réforme, il ben, faut nous mettre en pile en phase sur la question de sécurité. Ya, pour au moins, côté OEA, vous connaissez à toute heure, si vous avez un problème, vous pouvez rentrer dans le pays. Ya. Ensuite, la diaspora a mis l'accent sur la question participation politique. Nous connaissons que la constitution nous là, elle met un pile obstacle. Parce que son monde dans la diaspora, et si on apprend l'autre nationalité, tout conseil de poste ou pas qu'à occuper. Alors que nous avons une nouvelle génération qui formée, bien formée, des universitaires de tout calibre, ils sont obligés à servir seulement au Canada, aux États-Unis, en France. Donc ils ont dit que nous t'aimé pour constitution ouvrant fenêtre tout pour être capable participer dans la vie politique du pays à un certain niveau parce que compétence y a bailler l'autre bord seulement mais si on joue d'avle vini offrir Haïti compétence surtout eh ben faut constitution ta prévoir baronné des dispositions légales qui pour permettre de fonctionner parce que eux même toujours considéré comme haïtien. Donc ceci dit, il y a un représentant Canada, un représentant New Jersey, New York, Miami et la France. C'est-à-dire qu'ils font faisceau. C'est-à-dire qu'ils sont même pied d'égalité pour revendiquer ou du moins pour réclamer des droits que qu'ils connaissent, qu'ils doivent manifester et profiter de droits. Parce que c'est haïtien. Donc c'est ça qui fait que il y a deux autres rencontres qui prévoient. Donc, toujours dans mi-mi et fin décembre, là, côté que diaspora a posé quelques doléances toujours, ou du moins fait nous des propositions qui ont jugé raisonnables, concrètes, pour nous alimenter et débattre, et puis ça n'a pas choisi la proposition pour nous essayer, tenter de mettre dans la rédaction, rapport, n'a pas pour éventuellement réforme constitutionnelle. Là. Donc, en gros, débat a été très riche, parce que monde qui a parlé, c'est comme quoi c'est porte-voix diaspora dans tout pays, M. Dino là.
Donc, mission là, c'est rassurer la communauté haïtienne que vous représentez dans le pays de cette là pour au moins constitution, car on est que l'on 11e département vraiment côté que les haïtiens, parce qu'ils ont dit que contribution au Haïti dans le transfert, yo, c'est déjà beaucoup, mais ils voulaient manifester l'autre contribution de toutes sortes. Donc, c'est ça qui fait dit l'important pour nous intégrer vraiment dans ça ne pas l'écrire pour pas gagner aucune limite, pour pas sentir outsider. Et puis question nationalité, yo connaît que ça qui gagne déjà, mais dans ça ne pas mettre qu'on est là pour au moins entre citoyenneté et nationalité, pour au moins au jour de yon la donne dans le pays d'Haïti ainsi que petit yo. Nous réunis matin dans objectif pour être capable de faire yon radiographie de secteur pêche là. Jeudi à qui c'est 10 décembre, c'est un jour qu'on jeudi à l'Association nationale des pêcheurs haïtiens, il y a des prêts naissance le lit 10 décembre 2000. Côté un peu de pêcheurs étaient sortis dans 5 grandes régions de pêcheurs à 14 sous-régions de pêcheurs qui étaient capables de faire naissance avec ANPH. Mais l'initiative sale était venue par un ancien chef d'État qui s'est défunt, René Garcia Préval, qui était pris l'initiative pour te réunir toutes les pêcheurs pour te faire naissance ensemble avec l'association ça. Bien que nous entendions, il y a un petit qui fait une fête, malgré que l'acte de naissance de papa n'a pas occupé. C'est même genre, nous voyons l'association, malgré que c'était un chef d'État qui était aidé, qui prend naissance, mais jusqu'à présent, malgré nous grandir, nous grands, nous avons 20 ans d'existence, en termes de bagaille pour l'État haïtien, était capable de faire pour encadrer le secteur ça avec nous, il n'a pas vraiment fait ça. La pêche, son pôle de développement, c'est une filière qui est capable d'aider plusieurs autres filières, qui est capable d'aider nous dans l'éducation, dans la santé, et nous représenter 2% dans l'économie nationale. 19 millions de dollars par année nous baillent dans l'économie. Nous gagnons 52 000 personnes qui ont fait activité ça, ou pas venir dans la rue pour aller faire manifestation. 52 000 personnes. Et nous gagnons 1700 km de côte, côté activité ça, ou a fait. C'est-à-dire, où est l'importance qui vient. Mais la pêche à tout, il y a un bon problème là-dedans. Il tourne une pêche traditionnelle, parce qu'il n'y a pas bon politique publique qui fait là-dedans. Pêche là, il y a un système archaïque. Li a. C'est là-dedans qu'il y a. Même petit pirogue, même petit brafouillé, même petit voile, c'est le même qui là. À chaque fois qu'un projet qui vient dans le secteur, il vient pour organiser le secteur, c'est comme si détruire le secteur. Parce que, bien, ça crée l'enchaînement dans le secteur, organisationnellement qui est dans le secteur, il n'y a pas respecté. Je parle de l'Association nationale marchande de produits de mer, je parle de nos femmes, de marchands de poissons. Qui jusqu'à date pour qu'on ait même un friseur pour conserver sacré les produits de mer là, sacré les poissons, romains, lambi. Jusqu'à date, nous avons une petite qui fait qui pas des parents. C'est Wen, son l'oreille qui calé nous. Jodi à nous venir réclamer droit nous pour nous demander côté parents nous. Si on mourit pour nous connaître, si on existait pour nous connaître. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que nous avons 20 ans depuis nous couper nous. Nous avons 20 ans depuis nous à parler pour nos jeunes parents jusqu'à date nous ne pouvons pas joindre. Et nous avons 20 ans tout à souffrir. Moi, je dis que l'île est temps, instance qui concerne nous, monde qui est en charge du secteur, voyager sur nous. Voyager sur machin poisson, voyager sur pêcheur.
Parce que le marché de poisson n'a pas fait crédit là-bas. Il n'y a pas de moyens pour le mettre sous compte là pour le faire crédit. Il n'y a pas de balle du tout. Pour qui ça pense que vous traitez machin de poisson par un pauvre, vous traitez machin de poisson mal. Et même petite machin de poisson pêché, l'école est ennuyée. Pendant ce temps, nous avons un secteur qui est rentable. Nous avons un secteur qui baille comme, qui fait comme. Mais comme là, vous ne pouvez pas venir. La nation est en deuil. Le pays a perdu l'un de ses fils les plus authentiques et les plus dignes. Le doyen qui a porté sur les fonts baptismaux le mouvement organisé des droits de l'homme en Haïti a rendu l'âme. Ce 10 décembre, marquant la journée internationale des droits de l'homme, revêt dans ce contexte une signification particulière. En ce jour où le monde célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'État haïtien se souvient de la contribution substantielle de Maître Gérard Gould dans l'instauration de notre pays, de ce triptyque fondateur des sociétés modernes qu'est démocratie, état de droit et droit de l'homme. Le bâtonnier Gould, ancien dirigeant de cette organisation pionnière dénommée la Ligue haïtienne des droits humains, était un patriote convaincu
dotée d'un sens élevé de l'État. Son combat pour les libertés et les droits fondamentaux témoigne de son attachement à la tolérance et à l'altérité. Cette icône aux multiples chapeaux était également un professeur émérite qui a formé plusieurs générations d'enfants, d'avocats, de juges et d'autres professionnels du droit. Son attachement à l'éducation et à la formation des jeunes traduit l'idéal de progrès qui a toujours guidé son existence. Il était convaincu que la connaissance n'est rien si elle n'est pas partagée. Pourquoi ? Il a passé sa vie à en distribuer pour une société de science et de conscience. Un homme de cet acabit mérite de rester vivant dans les mémoires de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens en quête de modèle. Chacun de nous, à coup sûr, se souvient à cette célébration du bonheur, de la joie, du réconfort que M. Girogou a apporté dans sa vie, à un moment ou à un autre, à l'occasion d'un entretien privé ou d'une communication publique. Le barreau de Port-au-Prince n'avait pas heureusement attendu cet instant ultime pour lui témoigner sa gratitude. En effet, le 15 décembre 2012, à la salle Franck de l'hôtel Montana, je me rappelle que le bâtonnier Girogou était du nombre des avocats qui comptaient un demi-siècle et plus de vie professionnelle à recevoir les honneurs du jubilé, une cérémonie rééditée par le bâtonnier Carlos Hercule après 85 ans. Le 19 mai 2015, à la clôture des manifestations commémoratives de la Saint-Yves, patron des avocats, le bâtonnier Girogou a été élevé au grade d'officier de l'ordre de mérite juridique professionnel et a donc reçu à l'occasion une réplique du bâton du Saint-Nicolas, symbole du pouvoir du bâtonnier en exercice. Le 1er décembre de la même année, le nouveau bâtonnier, M. Stanley Gaston, avait également décidé d'honorer M. Girogou le jour de son anniversaire de naissance. Le bâtonnier Girogou ne s'en ira pas en paix si je me garde d'embaucher sa trompette de militant des droits de l'homme pour renouveler au président de la République, M. Jovenel Moïse, la formation de la commission d'enquête internationale indépendante devant supporter l'instruction conduite par le juge Raynaud Régis qui jusqu'à présent ne dispose pas de la logistique sollicitée depuis 2 mois pour mener à bien l'instruction. Maître Gou n'accepterait jamais que l'assassinat du bâtonnier Montpellier d'Orval reste impuni. Le bâtonnier Girogou ne s'en ira pas en paix si je me garde de dire au président de la République d'arrêter la fabrication des décrets-lois. Le bâtonnier Girogou ne s'en ira pas en paix si je me garde de dire au président de la République que le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence a mis et le décret pour le renforcement de la sécurité publique sont des décrets tyranniques et liberticides que la société haïtienne a l'obligation légitime de rejeter et comme de fait les rejette. Le bâtonnier Girogou ne s'en ira pas en paix si je me garde de dire au président de la République que son projet d'une nouvelle constitution est une atteinte grave à l'ordre démocratique, une usurpation illégitime de pouvoir constituant, une exception exorbitante des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi mère, par conséquent, un reniement de son serment constitutionnel. L'autre disait, et je cite, « Tout pouvoir est éphémère, on acquiert, on en profite, on le perd finalement. » Famille éplorée. Mesdames, messieurs, tous en vos rangs, grades, qualités et fonctions. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de toute une vie. Le bâtonnier Girogou est définitivement entré dans la légende. Sa flamme rayonne déjà de fierté le visage de nos jeunes esprits. Bâtonnier Girogou, merci. Merci d'avoir été ce professionnel au parcours sans faute. Merci d'avoir été cet avocat que la nation haïtienne reconnaît comme un modèle achevé de conviction et de courage, ce défenseur des plus vulnérables. Vous avez combattu le bon combat. Allez en paix, bonne traversée.
Le Seigneur vous attend déjà les bras ouverts. La vie a voulu aujourd'hui, en commémorant la Journée mondiale des droits de l'homme, la communauté haïtienne couvrait d'un linceul et mettait en terre l'un des pionniers du mouvement des droits humains durant une période ô combien difficile. Je veux citer, et je cite, Maître Gérard Gougue. La vie a voulu, par ses funérailles, je le crois, la fin d'un temps, et je l'espère, le début d'une nouvelle ère, celle d'une nouvelle culture des droits humains en Haïti. Il y a de ça, je rappelais lors de mon investiture en tant que ministre délégué pour les droits humains, combien la question des droits humains est un résultat historique, systémique, structural et renvoyant aux modèles mentaux. Nous, qui sommes issus d'une colonie, je crois, mesdames et messieurs, que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une rétrospective sur nos cadres et nos conditions de vie en relation avec ce passé loin de nous, mais encore si présent par nos schémas comportementaux, nos pratiques, voire même nos institutions. Mais la question n'est pas propre à notre communauté. Les cadres et les conditions de vie sur Terre sont pas trop enchantés de certains atavismes qui constituent encore le lot de nos misères et de notre pauvreté. Le changement de notre comportement, la mise en place d'institutions intelligentes, vers la mise en place de nouvelles structures organisationnelles, tant dans les institutions publiques, dans les organisations de la société civile, nationale et internationale, appelle de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-être. Depuis quelques 120 jours à ce poste, mesdames et messieurs, le travail à battre est herculéen. Je suis déterminée à user mes chaussures pour rencontrer chaque responsable des organisations de la société civile et du monde institutionnel pour trouver le consensus nécessaire pour ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de notre peuple pour l'amélioration des cadres et de ses conditions de vie. Et je crois que la promotion des libertés et des droits fondamentaux constitue l'horizon indépassable pour ce faire. Ainsi, je viendrai vers vous pour qu'ensemble, nous puissions établir et définir les cadres organisationnels pour rapprocher les institutions étatiques avec les organisations de défense et de promotion des droits humains. Réaliser un diagnostic institutionnel et stratégique sur les politiques gouvernementales en matière des droits humains. Définir une stratégie nationale de promotion des droits humains pour les 5 prochaines années. Renforcer nos capacités dans le sens de l'amélioration des cadres et des conditions de vie de la population haïtienne. Et pour finir, se lancer un défi, à savoir mettre fin aux pratiques de rester avec chez nous. Ce sont les points qui, d'un point de vue institutionnel, devront trouver réponse. Mais également, je sais qu'il y a des questions et des problèmes urgents auxquels nous devons apporter ensemble une réponse. Ces questions et problèmes seront également abordés lors de nos rencontres. Les différentes situations politiques et économiques exercent un poids certain sur la réception et le respect plein et entier des droits humains, de même que les dynamiques sociopolitiques, intempestives parfois, tendent à affaiblir les disponibilités économiques, quoique modestes, ce qui vient entraver les processus de redistribution sociale, des discriminations non voulues par les pouvoirs publics persiste en dépit de tout. C'est dans ces moments que la vigilance des organismes et de la société civile, en particulier celle des partis politiques et des organismes de défense des droits humains, doivent aider à veiller à rester aux aguets et tirer la sonnette d'alarme. Leur monitoring sans faille ni relâche demeure la clé de voûte pour l'établissement d'un état de droit qui puisse garantir l'effectivité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les défis progressent comme les insatisfactions. Et la présente conjoncture en appelle à plus de perspicacité pour contrer ceux qui entretiennent un climat de peur et d'insécurité. Le pays doit faire face à la montée d'un banditisme débridé, alors que la majorité travailleuse peine à subvenir à ses besoins, à assurer son quotidien et celui de ses proches. La tranquillité des rues,
la sécurité des enfants et des jeunes dans les lieux d'apprentissage, la sérénité des citoyens et des citoyennes à vaquer librement reste un souci majeur. Nous devons tous se donner la main pour rétablir l'ordre public et garantir la paix et la tranquillité publique. Mon gouvernement est engagé et déterminé à rétablir l'ordre et combattre le kidnapping. Une nouvelle culture des droits humains est donc une nécessité pour aborder, affronter et transformer en opportunité les défis et les enjeux du 21e siècle. Et pour ce faire, nous devons transformer nos rôles respectifs, l'État et la société civile. Et ceci par des rapports à définition, l'opérationnalisation des partis, des politiques publiques sur l'ensemble des territoires et par rapport aux différentes parties prenantes. Mettre en place des espaces de mise en commun et d'action partagée en vue de l'amélioration des cadres et des conditions de vie de la population haïtienne. Établir et partager des calendriers d'action partagés pour les politiques sectorielles en matière de promotion des droits humains. Réaliser un diagnostic institutionnel et stratégique des droits humains en relation avec les politiques publiques, l'administration publique, l'action des organisations de la société civile, des agences bilatérales et multilatérales en la matière. Et enfin, définir ensemble une stratégie nationale de promotion des droits humains pour les 5 prochaines années. En effet, travaillons ensemble. Dialoguons pour retrouver la sérénité nécessaire pour développer les moyens en vue de parvenir à l'effectivité des droits fondamentaux. C'est à ce prix que nous construirons notre pays et garantirons la liberté, la justice, la paix, le développement économique durable et le bien-être de chaque Haïtienne et chaque Haïtien. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.